Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pas du tout prévue. On va commencer un nouveau let's play sur la chaîne. Un let's play sur Pokémon Emerald Plus sur mon PC. Bon, c'est une version modifiée de Pokémon Emerald sur Game Boy Advance. Donc, c'est une version un peu modifiée. On peut même jouer dans le Nuzlocke et tout. Enfin, ça va être super bien. J'ai jamais joué à Pokémon Emerald. Enfin, j'avais joué à Pokémon avec Pokémon Emerald. Donc, c'est un peu. C'est pas exactement le même jeu que Pokémon Emerald, mais c'était différent. Mais là, ce sera vraiment le vrai Pokémon Emerald, mais amélioré. Avec, par exemple, ils ont changé des mécaniques de jeu, ils ont changé des trucs. Même, je veux dire, si on veut Nuzlocke et tout, enfin, c'est automatique. Ils ont fait un super bon taf. Et donc, voilà, regardez, c'est marqué là comme ça. Donc, on va commencer Let's Play. C'est parti. Comme ça. Attendez, je baisse un peu le son pour moi. Vous entendez rien. Donc j'ai tout configuré. Alors option, qu'est-ce qu'on a? Difficulté 1, 2, 3. On va mettre 3. On est hardcore gamer. On est des hardcore gamers, c'est bon. On est des fous. Alors choix ou défini? Moi je dirais choix. Parce qu'on a déjà choisi 3. Ouais, ajouter niveau, à mon avis, c'est pour ajuster le niveau des ennemis si on réussit pas. Enfin, des trucs comme ça. Fenêtre type 1. Et on peut changer la fenêtre. On va prendre ça. Basique. Mode bouton, bah, moi j'ai configuré comme normal, donc non. Combat inversé. Et ils ont mis ça dans le truc. Pas mal. Donc on va démarrer, c'est parti. Donc on va commencer la partie. J'espère que ça va bien se passer. En plus je peux accélérer le jeu. Donc là il y a le tutoriel. Alors. Professeur Seko. Je vais même accélérer. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko. Mais tout le monde ici m'appelle Professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Oh, Jirachi, d'accord. C'est le monde des peuples de créatures appelées Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier. Je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Tu es un garçon ou es-tu une fille? On va prendre le garçon, on va prendre le truc basique. Très bien, comment t'appelles-tu? Donc faut savoir que c'est sur. De base c'était sur Game Boy Advance, donc ils avaient qu'un écran, enfin c'est. Et c'était pas tactile, donc. Enfin c'était pas tactile, donc on est obligé de faire par les flèches. Donc on va choisir ça comme. On va mettre Ikuyo. Ikuyo, le basique. Ikuyo. Grec et oh voilà et c'est ça. Toi tu t'appelles Ikuyo? Oui. Ah mais c'est vrai, tu es Ikuyo, tu viens d'arriver à Bourgonvol, là où j'habite. Tu m'en souviens maintenant? Parfait. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, le monde des Pokémon où tu verras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Oh. Que se passe-t-il? Des colis? C'est l'intro de Pokémon Emerald de base. Alors. Un logo Pokémon se trouve sur le carton. Il vient d'une société déménageant et du livrant de Pokémon. Ok, donc c'est celui qui est vu derrière là. Donc on va avancer. D'ailleurs on est en 30. Alors, activez le mode Nuzlocke. Mode Nuzlocke, bon, c'est un truc hyper connu, c'est un défi qui fait que quand on a droit d'attraper qu'un seul Pokémon par zone. Et quand un Pokémon KO, il est mort. Enfin, là, ça va le mettre directement. Donc ça va être un peu compliqué. On va pas mettre Nuzlocke. Peut-être qu'on activera le enfin qu'on fera notre propre Nuzlocke à un moment de l'aventure. Mais pour l'instant, je pense que non. On va pas mettre Nuzlocke, non. Cette action est irréversible. Êtes-vous sûr? Oui, de toute façon c'est pas un jeu hyper long, Pokémon Emerald, ça a duré je sais pas 10 épisodes. Ça va pas être hyper long. Moins long que le Let's Play modé en tout cas. Donc c'est notre maman qui nous parle. Ikuyo, on est là, chouchou. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion, de déménagement. Ouais. Voilà, c'est Bourgonvol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrons y bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Et tu as ta propre chambre, Ikuyo, à l'intérieur. Ok. Ça nous fait direct. On peut accélérer aussi. Ah là c'est. Ça paraît que dans le tuto. Bon là je peux d'accord je peux accélérer comme ça. C'est intéressant avec ma touche espace. Donc là voilà, l'horloge est arrêtée. Il vaudrait mieux la mettre à l'heure. Ah oui. Non. Donc on peut mettre l'heure et tout. Bon c'est pas utile en fait parce que de toute façon ça sert à rien. De base l'horloge marche pas vraiment. Ah ils mettent. Ça c'est le midi.
On va mettre là comme ça, sinon ça a rien vraiment changé. Comme ça, hop. Juste pour l'heure, pour des Pokémon qui apparaissent à certains moments de la partie, donc c'est un peu différent. Écouille, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, c'était bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Là, il y a un truc là. IQ, ouvre le cahier. Règle numéro 1, ouvrez le menu en appuyant sur Start. Alors moi, j'ai mis point d'interrogation. Sauvegarder en gestant sauvegarder. Pas suivant son vierge. Ça. Ah, voilà. Donc dans le sac, qu'est-ce qu'on a? On a rien. D'ailleurs, c'est le sac à l'ancienne. Ikuyo. Non, il y a rien. Donc on va sauvegarder, juste pour avoir la sauvegarde. Sauvegarde en cours, n'utilise pas la console. Ah, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça fait du bien de commencer une nouvelle aventure. Surtout qu'on n'est pas sur Minecraft, parce que Minecraft, ça me... C'est pas que ça me fait chier, mais je veux dire, quand tu fais que ça sur ta chaîne, c'est vraiment embêtant. Donc commencer un Let's Play Pokémon, surtout sur une version que j'ai jamais faite, ça m'aille beaucoup. D'ailleurs, c'est une vieille version avec plein de trucs spéciaux. Enfin, les lois du jeu sont très très bizarres. Mais bon, après, c'est vieux, mais bon. Donc on va descendre, on va commencer. Voilà. Après on choisira si c'est random ou pas. Moi je mettrai tout random, je pense. Peut-être pas les évolutions, après je verrai. Oh, Ikuyo, vite, viens voir. Là. Regarde, c'est l'arène de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Mais parce que notre papa c'est le champion d'arène Clémentiville. Nous ne savons toujours pas pourquoi des Pokémon d'autres régions sont apparus chez nous. Ah ouais. Ce reportage vous a été présenté devant l'arène de Clémenti. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vient, il vit ici. Il s'appelle Professeur Seko. Notre voisin, tu pourras aller lui dire bonjour et te présenter. Ok, d'accord, bon, on va aller voir un peu. On va accélérer, bon, ouais. Maintenant je peux accélérer, donc pas vraiment besoin de faire de cut dans la série. Alors, c'est la mère de Flora, non? Oh bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Ikuyo, nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi, donc c'est Flora, ouais. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller les voir à l'étage, ok. Pokébo. Donc maintenant ma touche C que moi j'ai mis pour faire A. Qui es-tu? Oh, tu es Ikuyo, donc tu as emménagé aujourd'hui. Ouais, je m'appelle Flora, enchanté de te rencontrer, donc c'est bien Flora. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi Ikuyo, par mon papa, le professeur Seko. J'espérais que tu serais sympa Ikuyo et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non, je te connais à peine Ikuyo, oui, okay. Ok. Donc voilà. Donc là, on doit aller voir son père, c'est quoi, d'accord. Donc on va aller le voir. On va aller sur le laboratoire là. Je vais voir un peu. Prof Seko. Ok. Donc là, il y a un mec, c'est peut-être lui. Ah, le prof Seko, professeur est sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'est pas ici. Laisse-moi t'expliquer ce que signifie sur le terrain. Ouais, d'accord. Encore, il reste des études. Enfin, c'est un chercheur, ça on le sait. Donc on va faire comme ça. Ikuyo, okay. Salut, je suis Tedam, le créateur de cette version Pokémon. Oui, c'est parce que c'est le mec qui a amélioré la version. Je suis ici pour donner un peu de piment dans ta partie. Oui, c'est l'objectif. J'ai plusieurs options de jeu assez faciles à te poser. Réponds-moi juste par oui ou par non, c'est parti, là, je commence. Tous les Pokémon sauvages sont générés au hasard. Alors ça, j'ai bien envie de le prendre. Ouais, je vais le prendre, on va le prendre. Pokémon sauvage au hasard, ça c'est pratique. Les Pokémon d'intérieur sont générés au hasard, ouais. Les 3 Pokémon de départ sont générés au hasard, ouais, sinon c'est pas très drôle. Les évolutions des Pokémon sont au hasard. Alors ça, je sais pas trop, parce que ça peut donner des trucs un peu bizarres. Ouais, j'hésite, je sais pas trop. Après, gardons les mêmes trucs, donc c'est un peu différent, mais bon. Donc c'est totalement random, c'est-à-dire qu'il y a pas de règles, c'est pas par zone random, non, c'est vraiment totalement random. C'est-à-dire que là, je peux avoir Groudon, et je peux retomber sur Groudon, le route de victoire et tout, enfin ça peut vraiment être totalement différent. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par là, mais c'est pas un random par zone, voilà, c'est un random vraiment totalement random. Il y a tout est aléatoire, il y a que du hasard. Donc alors, est-ce qu'on met des évolutions? Je pense que oui, ça donnera un peu de piment à la partie. De toute façon, après il y a que les stats qui changeront, enfin que les stats de type. Donc voilà, les attaques Pokémon sont générées au hasard, ça par contre oui. Et voilà, c'est terminé, amuse-toi bien, à plus tard Ikuyo. Donc tout est random à part le Nuzlocke, enfin on a pas mis le Nuzlocke, mais bon. À l'aide, donc c'est Prof Seko. Il vient de voir les starters qu'on aura, donc on va un peu à l'accélérer. Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Electrice, Pokémon Décharge. On a Balignon, Pokémon Champignon. Et on a Métallos, pas de fer. Métallos, ça peut paraître très bien, mais le problème de Métallos, c'est qu'il a pas mal d'attaques, mais
Il est plutôt lent, enfin c'est pas qu'il est lent, mais je veux dire Metalos c'est un peu, moi on prend ça directement. Metalos en plus c'est hyper puissant comme Pokémon de base. Sa méga était banni de l'Overuse, alors j'ai envie de voir les attaques qu'il a, ça se trouve il a pas d'attaque, ça va être horrible. Il est shiny. D'accord. Je crois qu'il a des Pokémon sur shiny de base. Alors il a que de fer, ça il apprend déjà de base. Le coup vent et pied sauté. Je sais pas si c'est shiny de base. Je crois que si. Parce que le il y avait un Metalos, il y avait un Terral qu'on obtenait en événement dans Pokémon Ruby Saphir. Non, Emerald, je crois, ça. Emerald est très shiny. Donc c'est un peu différent. Il a pied sauté, que de fer, c'est excellent comme coverage. Donc on va faire que de fer pour éviter de. D'accord. Il fait mal ce Metalos, il est très très puissant. J'ai les Pokémon sauvages dans les autres. Tiens, il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, et c'est toi, Ikuyo, ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons là-bas, Pokémon, ok. Alors, Ikuyo. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Donc c'est le. Son père c'est un pote. Enfin mon père c'est un pote à lui. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi. Tu as fait preuve d'un aplomb, ok. Ikuyo reçoit Metalos. Shiny d'ailleurs. C'est hyper stylé Metalos Shiny. Alors comment on l'appelle? J'aimerais bien l'appeler je sais pas trop. Je sais pas trop quoi prendre comme comme surnom. Moi je dirais Saut 2, parce que c'est le mec qui est tout le temps avec moi dans toutes mes vidéos. Donc vas-y. Ça en plus le let's play je ferai, je sais pas, une fois par semaine. Donc c'est vraiment comme le rythme que je fais avec CO2. On l'appelle CO2, en plus CO2. Parce que c'est, d'ailleurs est-ce qu'on, non c'est comme ça. Non c'est, y a pas les contrôles comme ça. Pas comme sur 3DS, d'accord. Donc c'est comme ça, CO2. D'ailleurs j'ai fait une dédicace parce qu'on fait pas mal de vidéos ensemble. Donc ouais. C'est très sympa d'ailleurs. CO2, ça rentre pile poil. Parfait. L'autre, ça s'appellerait Xephis et Street Lords, d'accord. Comme ça, ça fera le trio, enfin le quatuor. Alors, faudrait étudier aussi le Pokémon dans mes dents. Et que ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'en penses-tu? Oui, vas-y, on va aller le voir. Super, ça fera plaisir à Flora. Tout le monde lui l'apprendre. Ok, d'accord, vas-y, on va voir Flora. Oh, d'ailleurs, il fait un peu. C'est un peu le crépuscule là. Qu'est-ce qu'on a? Il y a Morpheo. D'accord, alors ce Pokémon c'est à 70 dans toutes les stats, donc c'est pas très fort. Là on a pu sauter, d'ailleurs c'est pas un Nuzlocke, donc on va pas vraiment perdre. Donc on va accélérer, on va farmer. On va farmer, je sais pas, niveau 10. C'est un peu basique. Roselia, bon, en vrai on a hyper, il y en a Pokémon tellement bien. Acier combat, en plus on a un stab, mais c'est tellement puissant. En plus Metalos c'est à 135 de base en attaque, mais c'est. Et ça a combien d'attaque spéciale ça? Oh, 105, je mettrai le site à côté, tout ça, je pourrais regarder en même temps. Alors, il y a un Kemors. On a tellement un bon coverage, c'est ouf. On a les attaques normales, donc c'est très très puissant. C'est parfait, vraiment ce Pokémon il est parfait. En plus, il gagne pas mal d'XP. Par contre, il est très très dur à XP. Alors, on a Magmar. Après, ça on connaît, c'est un semi-légendaire, donc c'est très dur. Tourbi. Il a tourbi sable. Alors attendez, on a. Que tu fais? Oh, les dégâts qu'on fait. C'est triste. On a Arbok. D'accord. Bon, je regarde un peu les Pokémon qu'il y a dans la zone. Bon, après, c'est pas par zone. Donc, je vais juste regarder un peu les Pokémon. Les sprites des Pokémon. Parce que je connais pas trop les sprites. Du coup, on est niveau 7 déjà. J'ai envie de voir le Pokémon de Flora. Dire. Ça va tellement vite. Après, on accélère. Donc, ça va super vite. Et là, en plus, j'ai mis une heure un peu aléatoire. Voilà, tout est aléatoire. Oh, Flobio! Ça y est, pas bien avec l'agron, ça. En plus, Flobio, c'est hyper fort dans l'aventure, ça. Donc, on a pied sauté, coup critique. D'accord. Après, je connais pas très bien les mécaniques de la troisième génération, même si je connais très très bien Pokémon en général. Latias! D'accord, un truc intéressant. Moi, je connais très bien. Je viens de rater. La Hydroblast. Les dégâts de l'Hydroblast, magnifique. Je connais pas mal Pokémon, mais je connais pas la troisième génération, pas très bien. C'est déjà que c'est une des générations les plus buggées de Pokémon. Bon, là ils ont réglé les bugs, évidemment. Ils ont réglé tous les bugs vraiment chiants qu'il y avait. Par exemple, t'avais un bug qui faisait que les Pokémon légendaires que j'ai rencontrés qui fuyaient, comme Latias et Latios, et bah ils avaient des IV tout pourris. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tout pourri comme ça. Ils étaient buggés, enfin, c'était vraiment galère. Donc là, ils ont réglé ces bugs. Donc c'est sympa de la part du mec qui a réglé ça. On est déjà à 13 minutes de record, déjà, je vois. Un peu plus. Donc je ferai quelques cuts, mais on va faire un petit épisode de, je sais pas, 15-20 minutes. On va battre Flora, ensuite on arrêtera. Rapace de pique, c'est pas trop mal comme Pokémon. On a que de... En plus je vais montrer un peu les Pokémon entre les épisodes.
Ça va tellement vite. Donc ça, ça sera un épisode par semaine, je pense. Ouais, un épisode par semaine, c'est bien. Arakdo. Sympa. Ouais. Gicledo. Incroyable, mais... Je... Bon, on le fait des gars. Bon, c'est pas super efficace, mais on fait quand même un coup critique, d'accord. Enfin, on fait quand même... on le one-shot quand même. Donc, on va de voir un peu. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent... Oh, salut Ikuyo. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce qu'est être un dresseur. Ok, j'ai envie de voir ce qu'elle a comme Pokémon. Elle a un Celebi. Ah, Celebi est un des meilleurs Pokémon de la 3G avec Metalos aussi. Donc c'est intéressant quand même. Alors que de faire, ça repercute. Bon, ça sent quand même en attaque ce Pokémon. Ah, défense baisse. Ah oui, que de faire, ça peut baisser la défense, repercute. Par contre là, si on rate... Non, c'est bon, on rate pas. Bon, après, c'est pas un Nuzlocke, donc ouais. Niveau 9, qu'est-ce qu'il a... il apprend pas encore d'attaque. Je sais pas trop quelle attaque il apprend, mais bon, je verrai un wiki de 3ème génération, parce que sur les wikis comme Poképédia, ils ont pas mis la 3ème génération, c'est jusqu'à la 5ème, je crois. Donc voilà, je regarderai sur un wiki spécial en anglais. C'est vrai, tu viens d'avoir un Pokémon, tu il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Après, c'est la 3ème génération, il y a beaucoup moins de Pokémon. Par exemple, il y a pas des masses de trucs. Bon, je vais soigner un Pokémon d'abord. Est-ce qu'elle me l'a soigné? Ce qu'elle touche, c'est voilà, ça. Après, je suis pas trop familiarisé avec les touches. Donc, résumé, qu'est-ce qu'elle a comme... La rigide de nature. Oh, la chance que j'ai eue. C'est parfaitement la nature qu'on lui mettait stratégiquement. Mais après, c'est vrai que... il a pas mal d'attaques spéciales. Donc ça peut être un peu chiant des fois. Parce qu'il a quand même une bonne statistique d'attaque spéciale. Donc ça va être chiant, ça va baisser. Mais il a quand même une très bonne statistique d'attaque spéciale. Donc mais si on baisse, ça fait quand même un bon truc. Donc ça va. Il y a 7 sur 34 points de vie. 34 en attaque. Déjà 34 en attaque niveau 9. Bon, ça fait bizarre d'avoir un Metalos niveau 9. Mais bon. Après, je sais pas. Ah, ils ont gardé le talent. D'accord, ils ont les mêmes talents qu'avant, j'ai l'impression. Corsin, c'est le talent qu'il avait de base. Donc c'est... okay. Je vais retourner. Bref, faut me familiariser avec les trucs. C'est pas du tout comment on fait. Non, c'est comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va bientôt se quitter. Parce que ça fait déjà un bon petit épisode de, je sais pas, 15 minutes. Bon, bah voilà, on va arrêter cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. A plus!